chose. Un bébé quand même. Ouais, j'ai un enfant. J'ai l'impression qu'on a enregistré un album en septembre, dont la pochette est là-haut. Sans ça, je vois pas trop ce qui s'est passé. On a fait quelques premières parties aussi, notamment de R, c'était assez sympathique. On a pu jouer au Casino de Paris, donc c'était une bonne expérience. Sans doute notre meilleur souvenir de la tournée des premières parties, c'était Cœur de Pirate. Il y a une super ambiance, ça nous portait aussi, non, c'était chouette. C'est la première fois qu'on a vu dans le public des filles avec des pancartes 73. Ça, c'est... Dans une vie, ça compte. Hein. Ça, c'est le département parole. Le département lyrics, quoi. Princess, c'est l'histoire d'un VRP qui se lève le matin et puis qui part bosser. Et puis, voilà, c'est pas forcément un métier tous les jours gratifiant et hyper évident. Et ce morceau, c'est juste un morceau un peu affectueux vis-à-vis des personnes qui n'ont pas toujours des métiers hyper gratifiants. C'est des questions qu'on ne s'est pas posées en fait, vraiment. On sait, les clips se sont faits et puis voilà. Je pense qu'on est plus à l'aise avec le fait qu'on ne nous voit pas, mais on ne s'est pas dit, faut pas nous voir. Voilà, c'est juste ça. Si on nous dit maintenant il va falloir voir vos tronches, on fera ok. Noah Bar, c'est un artiste israélien qui habite en Angleterre, qui habite à Londres. Et pareil, c'est Marianne, toujours Dudouy, qui l'a découvert, je ne sais plus dans quelle revue, et qui a trouvé que graphiquement il était très 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 fort. Donc nous on était partis sur des photos, sur un énorme échantillon de photos, on n'arrivait absolument pas à se mettre d'accord sur. Parce que lui, quand il en avait une, moi je l'aimais pas, et lui avait aucun avis sur celui que moi j'aimais pas par rapport à celui qu'il aimait, et moi j'en proposais une, et il disait ah ben non, mais ça c'est nul, enfin voilà, bref, c'est un gros foutoir. Et ce Noah Bar a réussi à mettre quasiment tout le monde d'accord, au fur et à mesure, de la manière dont c'est élaboré la pochette. Camille, c'était un. En fait, elle a eu, c'était un peu un hasard en fait, elle est venue, on a la même éditrice, et elle est venue dans le Perche pour plus ou moins se ressourcer, et puis nous on était à côté dans la maison adjacente, un soir on lui a dit est-ce que ça te brancherait de faire des chœurs sur ça, et comme elle était là, qu'elle est sympa, elle a dit oui, il n'y a aucun problème, donc elle les a fait, et puis voilà, au fur et à mesure, ça s'est construit comme ça. Pour les autres featuring, c'était plutôt les gens qui ont enregistré, qui venaient chez moi, et voilà, c'était au fur et à mesure du passage chez moi. C'est des potes à nous en fait, avec qui on a plus ou moins joué, donc ça paraît assez simple d'appeler Austin par exemple pour qu'elle fasse des chœurs, parce que c'est une fille qu'on a accompagnée assez souvent, voilà, c'est des gens qu'on... Il y a Ben C aussi, et les chanteuses de Nouvelle Vague, voilà, c'est des gens qu'on connaît bien quoi. Attends, faites gaffe les gars. C'est genre, allez-y les gars, balancez, méfiez-vous quoi. Alors, très clairement, il n'y aura jamais, absolument jamais, dans aucune de mes playlists, Sardou. Ah, c'est marrant, j'en dis le même. Je déteste Sardou, mais à un point inimaginable. Je crois que même si ça n'arrivera jamais, mais si on m'appelait pour me dire tu veux pas jouer avec Sardou, c'est... Jamais, au grand jamais, je ne jouerai avec Sardou. Quoi. Donc, on va dire le lac du Colémara de Michel Sardou. Je suis un peu gêné pour répondre à cette question parce que. À la fois, ok, j'aime pas du tout Michel Sardou, c'est pas ma musique, j'aime pas du tout Obispo, etc. Mais en même temps, il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment, et je pense que c'est même au-delà du côté marketing entre guillemets, j'ai pas envie de chasser ces gens-là, des gens qui pourraient écouter notre musique. Tu vois, c'est pas parce que t'aimes Sardou que tu peux pas aimer 73, ou c'est pas parce que t'aimes 73 que tu peux pas aimer Sardou. C'est pas parce que ça n'est pas Sardou, tu peux pas le dire. Ah non, mais moi je le dis, Sardou, ça regarde que moi. Vraiment, ça. C'est la Suisse. Non, mais vous, très chère femme de Michel Sardou, vous pouvez écouter 73. Ouais, moi, je vais mettre Obispo dans mon top, quoi. C'est Damien 16.
parce que j'aime pas du tout ce qu'il dégage, j'aime pas ce qu'il écrit. Et puis, y a quelque chose vraiment qui me froisse chez ce mec-là. Lost in Translation. Henry. Ouais, Eternal Circle of the Spotless Mind. La scène de Tati Boy. C'est Salito. Tu passes le Golden Gate à San Francisco, c'est juste en dessous, c'est une ville que faite que de maisons flottantes. Et je trouve qu'il y a un esprit là-bas qui est juste dingue. Quoi. Moi, c'est Lyons la forêt, en Normandie. Farfisa, c'est un peu le Graal, le Saint Graal des Farfisa, c'est très dur à trouver. C'est pas vraiment très cher, mais c'est très dur. Je suis extrêmement fan de banjo, sinon c'est idiot, mais on l'utilise sur 2-3 titres, dont Bye Bye Cellphone et Simple Song sur l'album, et c'est vrai que c'est un son auquel je suis sensible. Quoi. Et Mélotron aussi, j'adore le son du Mélotron. C'est un truc, ça tout de suite, ça me... Je sais pas pourquoi, ça me remue des trucs, quoi. Pour avoir Leader, j'aime bien avoir Leader. Ça va pas parler à tout le monde, mais... C'est un piano électrique, en fait, c'est sur... Supertramp. Voilà, piano Supertramp. Jérôme le plus flambeur dans le groupe, mais ça, y a pas de question, c'est Jérôme. Ouais. C'est clair. Ah, c'est lui, regarde, il va pleurer, là. Ah, c'est beau, hein, c'est lui qui est geek. Ah ouais, très très geek. C'est lui. Brave, couche tard. ça sert. C'est beau ça. Ah ouais, y a plusieurs fois. Moi je dois dire que j'étais assez honnête. Non, j'ai pas menti non plus. Non, je n'ai pas menti. On a été assez honnête. Mm. Par contre, peut-être qu'on te ment sur le fait qu'on a été honnête.